Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur mon podcast Infides, la chaîne qui dispense des informations utiles à votre prévoyance, votre fiscalité et bien sûr à une bonne partie des solutions envisageables en vue d'améliorer votre situation financière aujourd'hui et demain. Comme vous le savez déjà, tout ce qui a trait au patrimoine immobilier et financier est ponctionné par la fiscalité. Chez Infides, notre particularité, c'est justement d'orienter notre client en tenant compte de cette situation. La fiscalité est partout et si elle est maîtrisée, elle peut vous apporter de réelles économies. Infides se distingue de cette manière. Nous répondons à toutes vos questions. J'aimerais vous en donner quelques exemples. Commençons par une personne mariée qui détient un bien immobilier. Elle arrive à la retraite et se demande si elle doit amortir sa dette hypothécaire en partie ou en totalité. Il peut aussi s'agir d'un couple de concubins. Comment sera taxée une éventuelle succession? Ou un chef d'entreprise, est-il judicieux qu'il se verse du dividende? Si oui, combien? Pour continuer dans les exemples, prenons un propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Faut-il les détenir en tant que personne physique ou faut-il créer une société immobilière? Ensuite, un indépendant. Doit-il continuer sa société en tant qu'indépendant ou alors devenir salarié de son entreprise? Enfin, il ne m'est pas possible de citer l'ensemble des exemples de la vie quotidienne, mais sachez que toutes ces situations, et d'autres encore, existent dans la vie de tous les jours et elles peuvent être optimisées. Vous êtes et serez toujours touché par la fiscalité, et celle-ci réduira votre patrimoine financier. Que vous soyez propriétaire immobilier, investisseur, indépendant, chef d'entreprise, rentier ou retraité. C'est parti pour le thème d'aujourd'hui, comment bien préparer sa retraite en 8 points. Vous êtes proche de vos 50 ans ou alors ils sont déjà derrière vous, mais vous n'êtes pas encore libre de vivre votre vie de pensionné. Dans ce cas, chaque jour qui passe vous rapproche de votre retraite et vous vous demandez à juste titre comment bien la préparer et surtout si vos souhaits pourront voir le jour. Dans cet audio, je vais parler de comment bien préparer votre retraite, qu'elle soit prise à l'âge ordinaire AVS, par anticipation ou en tant que retraite partielle. À la fin de mon intervention, vous allez pouvoir mettre en place votre préparation grâce aux 8 points que je vais détailler. Prenons le premier point. J'aimerais que vous pensiez à vos souhaits, vos objectifs, vos envies. Souhaitez-vous prendre une retraite partielle, une pré-retraite, ou alors continuer partiellement votre activité en tant que salarié et profiter du temps libre pour exercer une activité indépendante ou encore pour profiter de vos hobbies? Vous pouvez stopper l'audio, écrire dans un cahier ou alors sur une feuille. Puis, lorsque vous aurez terminé, vous pouvez reprendre cet audio. Pour ce qui me concerne, moi, à coup sûr, j'aimerais voyager. Et vous? Bien, vous savez ce que vous voulez, passons maintenant au deuxième point. Vous devez investir de votre temps pour y réfléchir, ça c'est le deuxième. Parce que votre départ à la retraite est un événement unique, il vous est nécessaire d'y accorder du temps pour réfléchir. Ce temps privilégié vous permettra de préparer et évaluer les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui vous font envie. N'hésitez pas, ce temps est bien investi. Il vous le rendra durant plusieurs années après votre retraite. Arrêtez l'audio, pensez, écrivez et reprenez pour mettre en place le troisième point. Ce nouveau point vous demande un peu de travail car il est nécessaire de réunir l'ensemble de tous vos documents. Quels sont-ils ? Il s'agit de la déclaration d'impôt, vos comptes bancaires, vos placements, vos polices d'assurance de troisième pilier, vos comptes de troisième pilier, votre certificat et votre règlement de la caisse de pension, vos avoirs de libre passage, ceux que vous avez obtenus lors de vos anciens emplois et qui n'ont pas été joints à votre caisse de pension existante, puis l'ensemble de vos revenus et vos dépenses, vos engagements financiers, hypothécaires et les conditions d'amortissement. Quatrième point, faire votre budget pour répondre précisément aux questions suivantes.
Combien êtes-vous capable d'économiser d'ici votre retraite et quel sera votre besoin de liquidité avant et après votre retraite? Quelle est la meilleure façon de placer votre argent si vous avez de la chance, à la fin de chaque mois, d'avoir un solde positif de revenus? Est-ce qu'il faut racheter des années du deuxième pilier ou alors placer cet argent de façon différente qu'un simple compte peu rémunérateur grignoté par l'inflation et les frais? Votre budget doit également tenir compte de vos projets personnels. Par exemple, vous prévoyez de refaire votre toit ou la peinture de votre bien immobilier, ou alors vous achetez le dernier petit bijou de bateau que vous avez toujours rêvé. Mieux encore, faire un tour du monde ou alors continuer de vous offrir vos vacances tant désirées, et ceci encore bien longtemps après votre retraite. Cinquième point, vous devez dresser la liste de l'ensemble de vos désirs car à la retraite, paraît-il, on a le temps. Justement, que souhaitez-vous faire durant votre retraite? Souhaitez-vous recommencer certaines activités, vous investir bénévolement ou continuer de travailler durant votre retraite en tant que salarié ou indépendant? Et quels sont vos objectifs généraux? Peut-être maintenir votre niveau de vie? Si oui, le maintenir durant combien de temps? Ou alors avoir la certitude que votre conjoint ou partenaire puisse vivre sans vous longtemps encore selon ses besoins. Et finalement, peut-être songez-vous à la transmission de votre patrimoine. Sixième point. Ce point vous permettra de faire l'inventaire de vos questions tout en les regroupant par thème. Par exemple, le deuxième pilier, pas facile à comprendre par sa complexité. Que choisir? La rente? Le capital? Un peu des deux? Comment et à quel moment transmettre votre bien immobilier ou vos immeubles? Amortir ou ne pas amortir votre dette hypothécaire ou encore vendre votre maison par souci de manque de liquidité ou d'une éventuelle entrée en EMS? Pensez aussi à votre succession. Comment répartir votre patrimoine ou avantager telle ou telle personne en cas de décès? Septième point, un des plus importants, offrez-vous un bon planificateur financier. Un expert en la matière vous permettra d'avoir une vue globale sur votre situation et vous orientera sur les solutions pour votre avenir. Qu'il s'agisse d'une analyse de vos besoins en matière de prévoyance, d'une planification de votre retraite ou successorale. Huitième et dernier point, améliorez du mieux que vous pouvez votre situation. Profitez des ajustements possibles avant votre retraite. Par exemple, vous pouvez cotiser la somme maximale à votre troisième pilier ou accroître vos déductions fiscales et votre capital retraite en effectuant des rachats dans votre caisse de pension. De plus, il faut le savoir, les réparations liées à l'immobilier sont déductibles fiscalement. Et pour terminer, le moment sera aussi bien choisi pour revoir le bien fondé de l'ensemble de vos placements financiers. Et voilà, ces 8 points vous permettront de planifier sereinement votre retraite. Partagez cet audio avec votre famille, vos proches, vos amis, ça pourrait leur être utile. Ce fut un plaisir, portez-vous bien et à tout bientôt pour un prochain épisode.